Rennes-le-Château et le mystère du trésor de l'abbé Saumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire, Rennes-le-Château et le trésor énigmatique de l'abbé Saumière. Attachez vos ceintures, car cette aventure nous emmène au cœur d'un petit village du sud de la France où secrets, légendes et mysticisme se mêlent dans une histoire qui a captivé l'imagination de chercheurs, historiens et amateurs de mystères pendant des décennies. Rennes-le-Château, village médiéval niché au sommet d'une colline, possède une atmosphère mystique, avec son château en ruine et son panorama époustouflant. Découvrons comment ce lieu paisible est devenu le centre d'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. L'abbé Béranger Saumière est le prêtre qui a mis Rennes-le-Château sur la carte des mystères. Il serait à l'origine de découvertes financières mystérieuses qui ont éveillé les soupçons de la communauté locale jusqu'à ce que sa hiérarchie ecclésiastique lui intente un procès afin d'éclaircir l'affaire. L'abbé Saumière aurait découvert un trésor lui permettant d'engager des dépenses disproportionnées avec sa vie de prêtre. Une fortune supposée cachée dans ce village isolé en lien avec les Templiers et le Saint Graal. Rennes-le-Château continue de captiver l'esprit de nombreux passionnés de mystères et des chercheurs du monde entier qui continuent à affabuler sur l'existence d'un pseudo-trésor enfoui sous le village. Rennes-le-Château reste un lieu énigmatique, débordant de mystères et de questions sans réponses.